Christine chez Chouchou au Tréport. Alors, épicerie fine. Eh bien, l'intérêt d'avoir ouvert cet établissement, c'était surtout une défense de l'artisanat français, pour beaucoup. Et avec des petits artisans qu'on ne trouve pas en grande surface. Ça, c'est un point essentiel. Donc, je vais passer à un siropier, par exemple. Je vais travailler avec un vinaigrier, tout en sachant que les produits qu'on trouve chez Chouchou, je les ai validés parce que je les ai goûtés. Alors, j'aime pas tout, mais quand même. Alors, on va être sur plusieurs régions. On va se retrouver avec des produits de grandes villes. Donc là, on va être plus sur des terrines de porc, des terrines de poisson. Je travaille avec un artisan qui se trouve dans l'arrière-pays niçois, donc qui est le Clos de l'Or. Et effectivement, lui-même ne fait travailler que des producteurs à 100 km de chez lui. Un vinaigrier exceptionnel. Alors, je vous conseille de venir goûter les vinaigres, et ce, soit en fin de matinée, soit en fin d'après-midi. 10h du matin, après le café, goûter un vinaigre, c'est pas évident. On va trouver, bien entendu, de la moutarde. Un des derniers moutardiers français a écrasé la graine de moutarde à la meule de pierre, Fallot. Ça se trouve à Beaune. Je peux en parler, je suis bourguignonne. Un des rares produits étrangers qu'on peut trouver à l'épicerie fine, c'est une huile d'olive grecque, Kallios. Après, effectivement, on va trouver des épices, des sels, des poivres. C'est pareil, venez sentir un poivre. C'est votre cerveau qui va vous dire lequel vous préférez. Et bon, il y en a quelques-uns quand même. Bien entendu, à l'épicerie, nous allons trouver des produits purement régionaux, donc normands, entre le calvados, le poiret, les cidres, des tripes, des terrines, plein de choses, des nouveautés, le calvados arrangé. En tant qu'épicerie fine, il faut bien que je présente également une petite gamme de vins. Alors oui, effectivement, beaucoup de Bourgogne. Je ne vais pas renier mes origines, donc effectivement, beaucoup de vins blancs secs, puisqu'on est dans une région où on mange beaucoup de poissons et de fruits de mer, quelques bières, une excellente crème de cassis. Et je n'oublie pas les thés, bien sûr, et les cafés que je vais chercher chez un torréfacteur à Rouen, c'est un fou dingue de son café. Des miels, des caramels, des confitures, enfin bref, vous pouvez trouver plein de choses chez Chouchou. Alors, il ne faut pas oublier que ces petits artisans, que ce soit mon vinaigrier ou par exemple un de mes confituriers, mon vinaigrier, ça fait 11 ans qu'il fait ce métier. Pendant 7 ans, il a gardé 2 boulots. Mon confiturier, enfin un de mes confituriers, le matin, il travaille à la production des chocolats de Monsieur Café, meilleur ouvrier de France, et l'après-midi, il fait ses confitures, parce que c'est pas encore maintenant qu'il va vivre de ses confitures. Donc voilà, moi je suis là pour les aider aussi. Ils font d'excellents produits, ils ont un respect du produit, et il faut qu'on le retrouve, et voilà, et ces gens-là, je suis admirative. Donc il faut qu'ils soient là. Alors on n'arrête pas de dire, il faut aider nos petits artisans, il faut aider nos petits producteurs. Et bien là, ils y sont. Voilà, je vous attends, à bientôt.